Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément le début d'un nouveau let's play très très spécial les gens. Encore une fois les gens, début d'un nouveau let's play nostalgique une fois de plus, mais là ça va être un peu plus compliqué que les anciens let's play parce que là je ne fais pas ce let's play sur émulateur sur mon ordinateur avec XSplit et tout, mais comme vous aurez pu le voir je filme avec l'appareil avec lequel je filme les unboxings et donc je filme ma télé un peu comme dans le bon vieux temps parce que là les gens on se retrouve sur un très vieux jeu, on se retrouve sur Spartan hein, comme vous voulez, Total Warrior sur Xbox les gens. Et oui, je suis allé, j'ai rebranché ma Xbox sur ma télé, donc ouais, voilà, il y aura une petite coupure, donc je disais voilà, on va se rejouer ce jeu avec la bonne vieille manette d'Xbox que vous voyez pas du coup vu qu'il fait stressant dans la chambre. Voilà, la bonne vieille manette d'Xbox et compagnie. Donc ce jeu, qui est un superbe jeu de mon enfance, enfin un superbe jeu, c'est clairement le jeu le plus violent auquel j'ai joué, hein, en tout cas quand j'étais petit, hein, très clairement. C'était vraiment pas de mon âge, et pourtant j'y ai joué à ce jeu hein, beaucoup de temps, quoi, alors que c'était vraiment pas de mon âge. Ça sortait un peu du Mario Sunshine... du Metroid Fusion, voilà, c'était vraiment différent, hein, vraiment une ambiance différente, un gameplay différent. Et donc voilà quoi, c'est vraiment un superbe jeu que je vais vous faire sur ma chaîne du coup, comme d'habitude, parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. C'est un jeu où les musiques, certaines musiques, je vous ai fait écouter dans 10 musiques que je surkiffe, hein, voilà, donc je vous avais déjà parlé de ce fameux jeu. Et ben du coup, c'est parti pour cette play. Comme dit, je vais pas trop blabater parce que là, je finis avec l'appareil et du coup... j'ai un temps, voilà, là il me reste plus que 25 minutes de capture, quoi, pour pouvoir filmer. Ensuite, il va falloir que j'envoie tout sur ordinateur et tout. Donc, on va pas faire tarder plus longtemps que ça. On va direct commencer. Ça risque d'être des vidéos, du coup, assez courtes, hein, voilà. Mais on commence ce let's play, voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Hein. On commence ce let's play sur Spartan Total Warrior. J'espère en tout cas que le son sera assez fort et tout, hein. Que le son sera assez fort et tout, que vous entendrez bien et compagnie. Commenterai bien moi ainsi que le son du jeu quoi. Donc c'est parti, on va commencer, on va aller en soldat, voilà, en normal en soldat, on est des fous, c'est parti. Du coup voilà, c'est vraiment, il y a une histoire, il y a des voix françaises et tout, voilà, c'est vraiment sympa quoi. Et donc ça parle du coup des Spartiates, de la Grèce contre l'Empire romain et tout, enfin voilà, vous devez sûrement connaître hein, l'histoire et compagnie. Donc c'est parti, voilà. J'espère le son sera vraiment assez fort hein, du jeu et qu'en même temps vous m'entendrez bien moi. J'ai pas fait d'essai avant, hein, je me suis pas réentraîné, hein, ça va être une découverte totale de nouveau pour moi. Bon, je connais le jeu, mais au niveau des touches. Soldats de Sparte, aujourd'hui, notre cité va devoir affronter son pire ennemi. Les troupes de l'Empire romain encerclent nos murs. Beaucoup de nos frères sont tombés pour défendre notre liberté et notre beau pays. Aujourd'hui, nous allons honorer leurs sacrifices et accomplir notre destinée de Spartiate. N'ayez pas peur, mortel. Je suis Arès, dieu de la guerre. Et c'est ton allié que je viens te voir. Les réponses que tu as toujours cherchées t'ont conduit à cet instant. Tu es un incroyable guerrier. Et pourtant, je n'ai ni nom, ni famille, ni même un passé. Je vais t'aider à défendre ta cité et à découvrir la vérité que tu recherches. De ton côté, tu me serviras d'instrument pour ma vengeance. Votre entraînement n'est pas terminé! Et vous n'avez pas encore affronté l'ennemi au combat! Mais vous êtes des soldats de Sparte! Et chacun de vous faut au moins 100 Romains! Tenez bon! Et notre victoire marquera à jamais l'histoire de notre temps! Aux armes!
Voilà, ça commence direct, hein. Donc il y aura une petite coupure, donc oui, voilà, vous avez vu, cinématique vraiment cool, hein. Voilà, comme d'habitude, c'est un vieux jeu, donc niveau graphisme, faut pas vous attendre à un truc de fou, mais dans le temps, comme d'habitude, c'est tellement cool. Et puis là, voilà, les spartiates, les voix françaises et tout, c'est tellement sympa, quoi. Regardez ça! Le roi Léonidas avait raison. La cité est encerclée. Les flèches romaines font obscurcir le ciel. Parfait. Je préfère combattre à l'ombre. Allons-y. Ah, ça peut tellement penser au film 300. Parfait. Je préfère combattre à l'ombre. Ah ouais. On est les spartiates, hein. On va pas se laisser faire, là. Il est temps d'achever la conquête de la Grèce. Soldats de Rome, sous mes ordres, toutes les cités grecques sont passées dans le giron de notre puissant empire. Seul Sparte ose nous résister encore. Et aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble notre victoire. Tuez ces arrogants spartiates! Pour Rome, pour l'empereur Tibère et pour la gloire du combat. La manette qui vibre, voilà. Rien que ça, quoi. Là, j'ai la manette qui vibre en ce moment. Hein. Pour vraiment vous mettre dans l'ambiance, quoi. C'était magnifiquement épique. Et là c'est parti les gens, le jeu commence. Donc là on est du coup un soldat de Sparte, hein, voilà, qui n'a ni nom ni famille, mais on sait qu'on est assez important, ce qui est un peu logique. Du coup voilà, à chaque fois ça va être ça le délire, on va avoir des missions à faire, genre buter un certain mec, truc, certains personnages et tout. Il faut que je remette aux touches. Ok, allez. Du coup là il faut buter les centurions à chaque fois qu'ils sortent des tours de siège là, ou ça se fait comme ça je crois. Hein. À chaque fois qu'ils sortent des tours de siège, il faut les buter les centurions. Hein. Donc c'est on va dire les chefs de chaque petit groupe. Avec cette musique et tout. Ah là là. Là, hop, on lui fout un coup de bouclier. Donc ça risque d'être surtout du bourrinage, hein, voilà. Hein. Donc là il nous explique, voilà, utiliser le pad circulaire et tout. Hop, on le défonce le mec. Regardez, on le défonce tellement. Regardez-moi ça, regardez. Allez, meurs. Ah putain, ma vie est en haut à gauche. Voilà, là quand il est au sol, on peut appuyer sur une touche. Voilà, appuyer sur X. Mais là c'est trop tard. Voilà, donc le temps de nous remettre aux touches, c'est plutôt galère. Ah oui, X, c'est ce bouton là, ok. Alors attendez, on va recommencer. Voilà, ok, c'est mieux. Donc voilà, si je galère au début, c'est normal. Comme dit, je me suis vraiment pas entraîné avant ou autre, hein, je reprends le jeu. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est le genre de pilier qui sert du coup à récupérer notre vie. Donc on va là, et là, on prie du coup. Alors toi tu dégages, voilà, merci. Voilà, et du coup on récupère notre vie en haut à gauche. Après bien sûr, comme c'est un vieux jeu, hein, vous voilà, vous devez savoir que eh ben c'est pas aussi facile que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vie illimitée quoi. À force le pilier il va se péter, hein, vous allez voir. Hein. Alors là, il faut buter le centurion, hein, le gros romain là, avec son gros bouclier. Vous avez vu que je prends cher, hein. D'habitude, je jouais toujours en facile quand j'étais petit. Et là, le fait de jouer en normal, on sent passer quand même. Hein. Ça, tu te dégages. Voilà, donc c'est assez compliqué de vous expliquer vu que on est direct lancé dans le truc. Donc là, il faut courir le mec pour qu'il emmène la bombe et qu'il fasse exploser les tours. Donc là, il faut vite le protéger parce que si il meurt, il fait tomber la bombe et la bombe explose quoi. Et donc on peut mourir comme ça quoi. Donc là, laissez-le. Laissez-le. Non, putain, il va crever les gens. J'espère que c'était pas une grave erreur de jouer en normal. Je me suis dit pour la vidéo et tout, pour que ça soit un peu plus épique, on va se la jouer à la normale quoi.
Alors là, hop, on les bute. Ça, c'est des petits romains de merde qu'on peut buter en un coup. Il y en a qu'on bute en deux coups et d'autres en un coup. Laissez-le poser la bombe. Non, laissez-le poser la bombe. Merde, il va mourir. Il est mort, il va mourir. Non, laissez-le poser la bombe. Pose ta bombe. C'est bon, il a pesé. Hop, on l'allume. C'est bon, on l'a allumé. Maintenant, faut se barrer. Et voilà. Boum, une tour en moins. C'est bon, les gens. Et comme dit, hein, le mec, il meurt assez vite. Hein. Faut vraiment bien les protéger parce qu'ils peuvent mourir très très vite. Hein. Et comme dit, après, ils explosent. Hein. C'est des vrais kamikazes. Hein. Voilà. Voilà, et ça c'est ce qui fait trop, quoi. C'est des bois. Il y avait des bois, quoi. Des bois français et tout. Ça, c'était vraiment sympa. Et au pire, vous avez les sous-titres, hein, si vraiment vous entendez pas bien. Mais ouais, c'était vraiment cool. Du coup, on fout des coups de bouclier comme ça, on fout des coups d'épée là, là on saute, on fout un coup d'épée en sautant. Allez. Comme dit, là, vu qu'on a pété une tour, notre pote, le sapeur, a réussi à ramener la bombe beaucoup plus facilement, quoi, qu'avant. Donc c'est déjà cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, genre, ce let's play, hein. Voilà, comme dit, une fois de plus, un jeu totalement what the fuck qui change de d'habitude, mais qui est pour moi très nostalgique, hein, très clairement. Et donc, voilà, quoi. C'était pas trop prévu que je le fasse, mais d'un autre côté, je savais qu'un jour, sûr et certain, j'allais le faire sur ma chaîne. Et donc, ce jour est arrivé. Et d'ailleurs, en haut à droite, on voit la vie du sapeur. Hein. C'est vrai, je l'avais même pas remarqué. Donc, on voit la vie du sapeur. Donc, attendez. Voilà, utilisez votre arc, parce que je crois qu'on a un arc. Mais là, on n'a pas de flèche pour l'instant, donc... Après l'arc, sans vous mentir, c'est le genre d'objet que j'utilisais jamais, quoi. C'est beaucoup mieux d'aller au cac avec l'épée que de jouer à l'arc, hein, très clairement. On a des problèmes sur le champ de bataille voisin. Là, apparemment. Voilà. Le roi Léonidas a des problèmes, hein. Ouais, vous connaissez, hein, Léonidas, hein, les Spartiates. C'est de l'histoire. C'est 300 le film aussi. Allez, c'est parti. Donc du coup, on doit suivre nos deux potes. Donc Pollux, voilà, Pollux, c'est lui qui est devant moi. Et Castor, c'est lui qui est juste ici, voilà. Donc ça va être nos potes pendant toute l'aventure. Et là, c'est parti avec cette musique épique. Comme dit, malheureusement, comme c'est filmé, comme voilà, c'est une caméra qui filme la télé et que c'est pas l'émulateur, vous entendrez peut-être moins les musiques. Donc c'est assez dommage, mais bon. Donc là, c'est parti, la mission, tuer tous les Romains. Donc là, on va pas faire quartier, hein. Hop, tu meurs. Allez, toi tu meurs, voilà, ça fait plaisir. Et là, faut tous les buter. Et ça, c'était tellement épique. Et dites-vous les gens que je jouais à ce jeu quand j'avais peut-être 10 ans, quoi. Et encore, 10 ans, 9 ans, quoi. Je jouais à un jeu comme ça avec du sang, des combats, des coups. C'était chaud, hein. Et pourtant, je kiffais tellement. Ça montrait déjà le gamer qui était en moi. Alors que là, je vais crever, ça continue. Vite, on recule. Ah, au secours. En fait, non, j'ai rien voulu. Je suis gentil avec vous, me tuez pas. Vite, il faut que je trouve un pilier. Il y en a là-bas. Vous avez vu les bâtards? Ils vont me buter. Ah, pitié, non. Là, un pilier. Vite. Prends de la vie. Oh, oh putain. Oh, je suis en PLS. Au secours. Vous avez vu, il y a beaucoup de piliers de vie parce qu'on va rester un bon moment ici. Attaque, je sais pas quoi, j'ai pas lu, on s'en fout. Ah ouais, normal, c'est chaud. Hop. Mais ça, c'était cool aussi, regardez, voilà, on peut pousser les ennemis. Voilà, regardez, on les pousse dans le vide. Et ça, c'était tellement épique. Et bien sûr, hein, ils peuvent aussi nous pousser dans le vide, hein, bien entendu. Donc on va pas non plus trop se rapprocher. Alors attends, tu vas mourir. Allez, le centurion, là. Meurs. Allez. Vous avez vu, il m'a poussé, hein. Donc ça, il peut me pousser dans le vide aussi, hein. Après là, on peut pas les pousser parce qu'il y a un petit rebord, hein. Oh, je prends cher. Bouge de là, bougez de là. Laissez-moi récupérer de la vie, je m'en fous de tes conseils. Ah là, c'est chaud les gens. Ils sont trop nombreux. Il y a trop de Romains, vas-y, prends de la vie. Ça marche pas, pourquoi? Merde. Je m'en fous, je continuerai à me battre. Pas besoin de vie. Oh, ils mettent cher, ils mettent mal en normal, c'est abusé. Ils mettent trop cher. Allez, dégage. Putain, tu me tapes pas, enfoiré. Vas-y, aide-moi Pollux. Putain, enfoiré de Pollux. C'est
c'est comme ça que tu traites des amis. Allez, là, tu meurs. Ah, le champ de bataille, c'est bien vidé, regardez, il reste plus que ça. Par contre, il y a tous nos potes qui sont morts. Il reste plus que Pollux, Castor et moi-même. Donc, hop, on les achève. On essaye de moins possible. On évite de trop utiliser les piliers de vie. Ils ne doivent pas rentrer. Je dis, ouvre la herse qui permettra de laisser entrer nos renforts. Voilà, donc là ça va être une scène très très tendue les gens, parce que regardez déjà ce qui nous attend, hein, voilà. Et donc le but c'est quoi? C'est que de 1, il va falloir protéger le roi Léonidas pour pas qu'il meure, et il faut aussi protéger cette porte ici. Regardez en haut à droite, on a la vie du roi et la vie des portes, et la vie de la porte. Et en même temps, il va falloir ouvrir cette grille pour que nos alliés puissent rentrer sur le champ de bataille. Donc on doit gérer trois choses en même temps. Et donc c'est une scène assez assez chaude. Il faut tenir comme ça pendant un bon moment quoi. Donc c'est parti, on récupère un peu de vie. Et c'est reparti. Allez, allez. Voilà, on va se faire les centurions. C'est eux les plus chiants. Pour nos alliés en tout cas. Allez, meurs, meurs. En flure, putain de Romain, allez, regardez, regardez, il commence à s'attaquer aux portes. Et le roi Léonidas est aussi en PLS. Allez, oui, j'ai compris, ça c'est chiant par contre qu'ils nous disent à chaque fois comme ça. Bien sûr, on peut aussi péter les boucliers des ennemis, hein, si on leur donne assez de coups. Regardez, il s'attaque à la porte. Ah, allez, là, il faut les dégager. Voilà, on leur fait des gros coups comme ça, ça les repousse. Et ça leur fait un peu mal. Oh, regardez, ils m'envoient chier là, ils m'envoient voler là. Ouais, laissez-nous sortir, je vous entends, bande de couillons, vous êtes que trois. Vous êtes que trois, vous voulez que je vous laisse sortir, vous êtes que trois, bande de cons. Laissez-nous sortir, on est quatre. Oh. Ouais, super. Regardez la porte, regardez la vie du roi et la vie de la porte. Il faut protéger les deux quoi. Please, dites-moi lesquels protéger. Voilà, meurs. Meurs, meurs, vite, on va protéger le roi il prend cher. Il est où le roi? Léonidas, où es-tu? Oui, le roi, l'ennemi l'attaque, je vois ça, oui, regardez, il est là le roi. Et bien sûr, on peut aussi tuer ses alliés, hein. Mais que avec l'arc, c'est que avec l'arc qu'on peut tuer ses alliés. Et moi je me rappelle, je m'amusais à buter Léonidas, quoi. Ah oui, n'essayez pas de comprendre, hein. J'avais des délires bizarres hein, quand j'étais jeune, hein. Là, regardez, regardez, il est en train de péter la porte, les potes ils sont là, et ils se touchent là, oh. Allez, défendez les portes là, arrêtez de vous toucher là, putain. Les mecs ils sont là, ils bougent pas, ils attendent alors qu'ils sont en train de péter la porte. Allez, toi tu... meurs, meurs. Allez, je sais qu'on peut faire des trucs, des moves stylés. Hein. Si on arrive à placer un coup de stick à un bon moment, on peut faire des moves stylés, hein, au ralenti. Hein. Et ça c'était vraiment la classe... Et ça serait cool que j'arrive à le faire. Alors allez, 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 on les défonce, allez. Allez, j'étais un roi, allez, je suis un monstre, hein, je les défonce tous. On voit là que j'ai un don pour le combat. Je suis l'homme sans nom. Oh, le roi il prend cher apparemment. Mais je m'en bats les couilles moi. Il a qu'à crever Léonidas. Au moins ce sera moi le nouveau roi. Il est où Léonidas? Il est où? Il est là ce con, regardez, qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Bah toi là-haut. T'es pas le même Léonidas que dans 300, hein, ça se voit. Hein. Bon, allez, on ouvre la grille. C'est parti, voilà, les renforts sont là, salut, ça va, tranquille. La porte qui prend cher parce que nos potes, comme d'habitude, ils boivent un café, tranquille. Butez le centurion. Butez le centurion. Ils sont toujours chiants, hein, les centurions. Allez, meurs, voilà. Ça va, on tient le coup les gens, regardez, on tient le coup, on a réussi là, y'a plus personne, y'a plus aucun Romain. Ça veut dire qu'on a réussi. Hop, meurs, 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 salaud, voilà. Dans ton cul, et voilà. On a réussi les gens, on les a tous butés. Nice, putain. Et les Romains vont attaquer les portes, les gens. Mais on va se laisser là pour cette première partie de ce nouveau Let's Play sur Spartan Total Warrior. Et oui, parce que comme dit là, le problème, c'est que on est déjà à 20 minutes de vidéo, ce qui est déjà très bien.
Mais surtout que, comme dit, il me reste plus que 7 minutes et la phase qui arrive là, elle risque de prendre quand même assez beaucoup de temps. Donc les gens, on va se laisser là pour cette première partie. J'espère en tout cas vous l'aurez kiffé. J'espère que vous kiffez ce nouveau let's play sur la chaîne qui remplace du coup celui-là de Metroid Fusion qui s'est terminé il y a quelques jours. Et sinon, mais moi les gens, j'espère que vous avez aimé. Hein. Laissez un petit pouce bleu comme d'habitude si vous avez kiffé bien sûr. Et sinon, ben moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.